tout le monde, c'est Foulbaster, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de livres. Alors je vais vous expliquer, alors sur ma chaîne, ce sera pas tout le temps des vidéos Clash Royale, parce que j'aime bien le gaming, mais parce que j'aime bien lire aussi. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des livres que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Eragon, l'aîné. Alors là, on a le tome 2, avec un dragon dessus qui s'appelle Brisingr. Alors je suis très content d'avoir acquéré ce livre parce que c'est un très bon livre. C'est la suite du film Eragon. J'ai pas le tome 1, mais j'ai le tome 2. J'ai aussi le 3 et le 4. Là, on a le 3 et là, le 4. Ensuite, ce qui est super aussi avec ce bouquin, c'est que... il est long et du coup on peut le trimballer. Par contre, il est gros, on peut pas le trimballer partout, mais il va vous occuper pendant longtemps. C'est en gros, c'est l'histoire d'un monde où c'est la guerre et il reste un seul dragonnier, c'est-à-dire un chevaucheur de dragon, et c'est un roi qui est très méchant. Et un jour, un homme trouve un œuf de dragon. Et devient dragonnier et il va essayer de combattre les forces du mal. Et voilà, ça c'est une des histoires que je préfère parce que c'est quand même vachement... Deuxième série de bouquins, Le Labyrinthe. Tome 2, Terre brûlée. J'ai pas le tome 1, je l'ai oublié chez ma grand-mère. Non, je déconne. En vrai, je sais pas où il est, je l'ai fait me le chercher. Et c'est un très bon livre, comme vous l'avez, tout le monde a dû le voir, Le Labyrinthe. Alors là, c'est Le Labyrinthe tome 3. Si vous tenez à le regarder, ne regardez pas, on va dire, les 10 prochaines secondes, parce que c'est un spoil. Alors Teresa meurt, Newt, il chope la braise et il crève. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce spoil. Et... enfin, il me reste deux livres à vous présenter. Toby Lawless, le tome 2. C'est un très très bon bouquin que j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'un petit garçon. Il est minuscule, il est comme ça, il fait 2 mm. Et tout le monde dans son milieu fait 2 mm. Et ils habitent dans un arbre. Et un jour, il y a un scientifique qui est le père du personnage principal. Qui va dire... ah ouais... il faut arrêter... attendez. Vous savez quoi? C'est mal fait. Je vais vous refaire ça 2 secondes. Voilà. Il faut arrêter de creuser l'arbre. Parce que on est en train de le tuer. Et voilà. C'est comme ça que les hostilités vont commencer. Les dirigeants de l'arbre vont dire t'es de la merde. Tu pues l'anus. Va te faire enculer. Ils vont... lui prendre tous ses biens d'abord, ils vont l'envoyer dans les basses branches, c'est-à-dire à côté du sol, là où il y a les animaux les plus dangereux, les oiseaux, etc., qui viennent vous bouffer, parce que vous faites 2 mm, putain, 2 putains de millimètres. Et ensuite, ils vont commencer à les traquer, les deux parents se font choper, mais pas l'enfant. Alors, pour en savoir plus, il faudra acheter ce livre, oui, c'est totalement un gros, 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 gros placement de produits. Amusez-vous à compter le nombre de gros que j'ai dit. Et dernier livre, Le Prince des Nuages. Alors, comme on le voit ici, c'est l'histoire d'un enfant qui habite dans les nuages. Et on y retrouve aussi des documents culturels que personne ne lit. Hein. Alors c'est un bon livre, il est sorti en 2009, et il a reçu un prix jeunesse. Il fait 322 pages. Ah oui, et d'ailleurs j'avais oublié ça. Les Eragon, tous font à peu près 900 pages, donc pas plus de 1000. Ensuite les Labyrinthes font à peu près 500 pages. Et le Toby Lawless fait à peu près 400 pages. Et voilà, c'est tout. Pour cette vidéo. Et non, je déconne, j'avais pas fini avec celui-là, je suis sûre que vous avez oublié. C'est l'histoire d'un gamin qui habite dans les nuages. Elle trouve ça excellent. Parce qu'en fait, il découvre que, au lieu d'être un simple paysan comme il est, à cultiver du coton dans les nuages, il est en fait le roi d'une grande nation. Et il est fait prisonnier, mais sans le savoir. Et pour en savoir plus, il faudra acheter ce livre. Alors,
Je vous dis au revoir à tous. Je suis très heureux d'avoir fait cette vidéo, c'est ma première vidéo en ligne. N'hésitez pas à liker et à commenter le nombre de fois que j'ai dit gros. Je ferai sûrement une prochaine vidéo parce que ma bibliothèque se compose à peu près de 1600 livres. Mais je ferai pas que des vidéos de romans, je ferai aussi des vidéos de BD, d'albums, de magazines, Picsoumag, etc. Tout ce qui est assez intéressant. Ciao tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est full best. Non, ça c'était mon intro. Je vous dis à la prochaine!